looks like you lost another one. Une soirée époustouflante avec à l'honneur nos champions dionysiens. Ils sont champions de France, champions d'Europe ou encore champions du monde. Fiers de ses talents, Saint-Denis tenait à honorer tous ses sportifs au gymnase de Champfleury. En tout, ils étaient plus de 250 à recevoir de belles récompenses par leur travail, leur détermination et leur sacrifice. Ils représentent une source d'inspiration que Saint-Denis veut partager. L'honneur pour tout le groupe par rapport au travail que nous avons fait. Pourquoi être champion? Comme il se passe à beaucoup de jeunes, à beaucoup de monde, la pointe secret, c'est l'entraînement, entraînement et entraînement. Champion pour moi, c'est celui qui a du respect. C'est celui qui travaille dur pour réaliser ses rêves. Donc, première au championnat de France, première au championnat d'Europe et là, il n'y a pas longtemps, première au championnat du monde. Fierté pour ma famille, pour tous ceux qui m'ont soutenu, pour mon club. Là, comme vous voyez, c'est vraiment un super collectif, déjà en premier. Et malgré tout, avec le Covid, c'est notre premier vrai titre depuis 2 ans. On est très, très contente de ramener le titre à la maison. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices et donc on veut aussi honorer cette valeur du travail. C'est de rendre hommage à des gens qui font honneur à la ville. Capitale sportive, le drapeau de Saint-Denis est aujourd'hui hissé dans le monde entier. Modèle de réussite, Saint-Denis performe tout en incarnant de belles valeurs. La ville tient une nouvelle fois à remercier tous ses sportifs, ses entraîneurs et tous ses bénévoles pour leur dévouement et leur exemple.